Un acte de générosité permis par la loi. Des salariés ont offert 262 jours de RTT à l'un de leurs collègues pour qu'il puisse s'occuper de sa petite fille, malade d'une leucémie. Reportage. Voici maintenant un élan de solidarité qui va permettre à un père de famille de s'occuper de sa fille de 5 ans, malade d'une leucémie. Les collègues de Frédéric se sont mobilisés et, comme la loi le permet, lui ont offert leur jour de RTT, 262 au total. L'entreprise en a rajouté 20, soit plus d'un an sans travailler pour être au plus près de Louane. Félix Thomen et Mariam Bounafa. 4 jours après, Frédéric est encore tout ému. Donc, le 31 décembre, j'ai reçu un courrier de mon entreprise. Les transports gagnent, me disant que en fait, mes salariés m'avaient donné 262 jours et demi. Pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'ils ont pu faire. Parce que de toute façon, ils n'auraient pas pu faire mieux en fait. Car le rêve de Frédéric, chauffeur de profession, est de rester auprès de sa fille. Louane, 5 ans, n'a pas le droit de sortir de chez elle. Elle est atteinte de leucémie et doit rester dans un environnement stérile, loin du moindre microbe. Jusqu'en septembre 2015, elle ne peut pas avoir accès à la collectivité. C'est ce qu'elle vit le plus mal, je dirais. Le manque des copains d'école. Alors, pour permettre à Louane d'avoir son papa à la maison, les salariés de l'entreprise de Frédéric se sont mobilisés. Samir, délégué du personnel, avait entendu parler de la loi Matisse. Elle permet de donner anonymement ses RTT à un autre salarié ayant la charge d'un enfant malade de moins de 20 ans. Donc on a proposé de demander aux autres chauffeurs s'ils voulaient participer. Et donc du coup on a vraiment été étonnés qu'il y ait autant de réponses positives de la part de plein de chauffeurs qu'ils ne connaissaient pas particulièrement. La fusée. Pendant plus d'un an, Frédéric pourra rester aux côtés de sa fille. Sur Internet, la famille a créé une cagnotte pour exaucer le rêve de Louane, visiter la capitale.